remercier d'avoir répondu à notre invitation pour la cérémonie de levée des couleurs tous les premiers lundis du mois. Merci donc de venir célébrer notre drapeau, célébrer notre pays, célébrer le Sénégal. Alors, comme chaque début de mois, chaque cérémonie, je retiens trois idées, comme je vous l'avais dit, trois idées que nous tirons de ce qui se passe au Sénégal ou dans le monde. Alors, ce lundi, je vous soumets trois idées. La première nous intéresse au premier plan, c'est que après l'exécution à mi-parcours de notre contrat de performance, l'université Alioune Diop est sortie avec un excellent résultat. Elle a eu la meilleure appréciation suite au rapport qui a été fait conjointement entre le ministère et la Banque mondiale. Nous avons eu l'appréciation hautement satisfaisante. C'est la seule université à l'avoir eu. C'est un résultat commun à vous tous. Vous tous, vous y avez contribué. Cela doit nous exhorter à continuer ce travail. Cela doit nous exhorter à croire en notre université. Cela doit nous exhorter à fournir plus d'efforts pour nous hisser au premier plan sur tous les domaines. Parce que ce résultat signifie quand même que nous sommes premiers sur le plan pédagogique, sur le plan des résultats pédagogiques. Parce que c'est un ensemble d'indicateurs qui a été analysé avant de dire que l'université Alioune Diop doit avoir l'appréciation hautement satisfaisante. Je vous remercie tous d'avoir contribué à ce résultat. Évidemment, nous félicitons l'unité de gestion de notre CDP, en particulier son coordonnateur. Cela veut dire que nous devons avoir confiance en l'avenir. C'est le travail qui paye. Vous avez tous travaillé depuis la création de l'UADB jusqu'à aujourd'hui. La deuxième idée que je vous soumets à réflexion, je l'ai tirée d'un rapport de la FAO, qui est une branche des Nations Unies et qui analyse les problèmes de l'alimentation dans le monde. Selon ce rapport, publié juste il y a une semaine, 842 millions de personnes souffrent de faim chronique, presque 1 milliard, souffrent de faim chronique. C'est-à-dire, ces personnes ont faim. Alors que 1,3 million de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées dans le monde. Regardez bien le contraste. 1 milliard à faim, presque 1 milliard, mais 1,3 million de tonnes d'aliments perdus ou gaspillés. 1,3 million, c'est énorme. Quand on vous le dit comme ça, on a du mal à voir ce que c'est, mais c'est énorme. Si on considère la surface nécessaire pour cultiver 1,3 million de tonnes de nourriture, il nous faut une superficie qui ferait de cette zone le deuxième pays au monde, pour vous dire que c'est très vaste. Alors, ça nous interpelle, plus de solidarité internationale, parce que de la nourriture est gaspillée, plus de solidarité aussi entre les communautés, surtout entre les riches et les pauvres. Parce que ce qui est gaspillé, ce sont les pauvres qui le gaspillent. Mais surtout, nous devons compter sur nos forces, parce qu'une partie de ce qui est perdu, c'est dans nos pays. C'est la non-utilisation des récoltes. Il suffit d'aller en Casamance pour voir que les mangues pourrissent. Il suffit d'y aller pour voir que les maddes pourrissent. Il suffit d'y aller pour voir que les pommiers d'acajou produisent, mais on les perd. De même, on peut aller dans le Saloum pour voir qu'une partie des récoltes est perdue. Mais surtout, nous devons aller vers l'agriculture et l'agrobusiness. Et là, évidemment, les universités ont leur mot à dire. Nous devons mettre un accent particulier sur l'augmentation des produits agricoles, la production, mais surtout leur transformation. Et ça nous interpelle. Ce sont les universités qui doivent être au premier plan.
Alors, pour cela, la troisième idée, on ne peut que se réjouir que le MyNUC, cette innovation de l'université Alioune Diop, pousse les étudiants, sollicite les étudiants pour fournir des projets, pour résoudre les difficultés qu'on rencontre dans la zone du Baoul et du Sénégal. Et pour cela, je me réjouis que sur les 10 idées pertinentes sélectionnées par l'équipe, nous allons détailler cela tout à l'heure, plus de la moitié parle d'agriculture et d'agrobusiness. Cela veut dire que quand même l'université Alioune Diop commence à prendre en charge cet aspect. Il faut aller de l'idée vers la réalisation des projets. Et pour cela, nous interpellons tout le monde, la communauté, les enseignants d'abord, les UFR donc, le personnel administratif, mais surtout les étudiants, de convertir ces idées pertinentes que vous avez en projet et aussi d'accepter de réaliser des projets et d'aller plus loin même que le projet. Et ça, ça veut dire opter pour l'agriculture, pour l'agrobusiness. On peut vivre avec, mais on peut développer son pays aussi. Je vous remercie de votre attention et vous invite à la cérémonie de tout à l'heure organisée par le vice-rectorat chargé de la coopération, de l'insertion et de l'innovation qui est consacrée aujourd'hui au projet, au pré-projet du MyNUC. Merci beaucoup. Pré-lauréat. La cérémonie d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des missions de notre université et plus précisément l'engagement de l'université Alioune Diop de dispenser des formations théoriques et pratiques à finalité professionnelle, mais aussi l'accompagnement des étudiants vers la vie professionnelle. Et cette mission, l'accompagnement des étudiants vers le milieu professionnel est une mission prioritaire de l'université Alioune Diop. Elle est portée par la cellule Université Entreprise dans le cadre d'un programme important, original, innovant de notre université, le programme Marathon Entreprendre Université Communauté, communément appelé MyNUC, qui est un programme et un instrument de partenariat avec le pouvoir public et le secteur privé pour l'insertion des diplômés de l'université Alioune Diop. C'est ainsi que, à la suite de l'édition 2015 du brainstorming annuel que nous avons tenu ici en février 2015, sous l'engagement extrêmement important de la cellule Université Entreprise, mais également de la coordonnatrice du MyNUC, des projets d'étudiants, ou plutôt des idées de projets d'étudiants, ont été déposées dans le cadre du programme MyNUC. La commission scientifique, composée d'enseignants-chercheurs et d'experts de l'UADB, cette commission a donc procédé à l'évaluation des projets, auditionné les porteurs ici présents de ces projets et présélectionné 10 idées pertinentes, 10 pré-projets. Ce sont les étudiants porteurs de ces 10 projets qui s'engagent à l'occasion de cette cérémonie à signer des contrats dans le cadre du MyNUC pour le financement des travaux de terrain en vue de rendre ces projets bancables. Nous insistons sur la notion d'engagement et sur la notion de projet bancable. Il s'agit aussi d'une cérémonie de signature de contrat avec l'expert conseil, coach des étudiants porteurs de projets, M. Arsène Brou-Béda. Chers étudiants récipiendaires, les subventions que vous allez recevoir tout à l'heure
doivent servir à la réalisation de vos idées. Durant 62 jours, vous allez assister à des sessions de formation avec des consultants extérieurs. Après cette formation, vous allez effectuer des travaux de terrain et des rencontres régulières dans un espace aménagé par le MAINUC, participer à des conférences dont les thématiques porteront sur les domaines de vos projets et vos travaux seront évalués après chaque étape. Respectez donc scrupuleusement les chronogrammes de ces différents programmes. Soyez encore plus rigoureux. Vous êtes rigoureux parce que vous avez soumis des idées pertinentes, mais soyez encore plus rigoureux dans votre démarche, dans le travail. Ayez le culte de l'excellence partout où vous irez, parce que vous serez aussi par ailleurs des ambassadeurs de l'université. C'est-à-dire cette tendance constante à viser chaque jour un degré éminent de perfection. Je vous conseille de suivre les pas de vos prédécesseurs. Je peux citer le groupe LG9, groupe composé d'étudiants ou même maintenant d'alumni qui se sont basés actuellement à Touba après l'obtention d'un financement de 3 millions accordé par l'ANPEJ. Tous mes voeux vous accompagnent. D'abord des voeux de santé, parce que vous allez affronter le terrain, il faut être en très bonne santé. Des voeux de succès et des voeux de plus de progrès. Au nom de toute la communauté universitaire de Bambéi, je vous exprime toutes mes félicitations. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce programme du MAINUC est aussi en phase avec les décisions présidentielles relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche. Pour preuve, il nous plaît de citer la décision 6. Et je dis bien, ce sont des décisions présidentielles. La décision 6 consistant à faire de l'étudiant un acteur de sa formation, favoriser sa réussite et améliorer sa condition de vie. Mais également la directive précisant le renforcement du partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur public et privé et le monde socio-économique pour la création d'incubateurs et ou de centres de transfert de technologies au sein de chaque université et chaque établissement d'enseignement supérieur. Et cette cérémonie est pour nous une belle occasion de réitérer nos remerciements et notre gratitude à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui ne ménage aucun effort pour la réussite des programmes du MAINUC de l'UADB. C'est un partenaire qui soutient toujours le programme MAINUC. Je remercie le vice-recteur chargé de la Recherche, de l'Innovation, des Relations extérieures et du Partenariat et son équipe de la cellule Université Entreprise, et aussi toutes les personnes qui œuvrent dans le cadre du MAINUC pour la réussite du programme et les innovations apportées chaque année à ce programme. Je remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de cette cérémonie. Je remercie aussi les membres de la commission scientifique, les enseignants-chercheurs et experts de l'UADB qui ont contribué à l'évaluation. Je remercie l'expert conseil, M. Arsène Brou-Beda, et le cabinet Human, dont il est membre, qui est un partenaire précieux de l'Université Alioune Diop de Bambéi. Je remercie tous les membres de notre communauté universitaire de Bambéi qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de participer à cette cérémonie, notamment les vice-recteurs, le secrétaire général, les directeurs du FR, les chefs de département, le personnel d'enseignement et de recherche, mais également le personnel administratif, technique et de service. Je salue aussi et remercie les étudiants qui sont venus accompagner les lauréats, sans doute pour les encadrer et les réconforter. Je remercie particulièrement la presse locale, mais également la RTS qui est venue de Dakar très tôt ce matin pour couvrir notre cérémonie de levée des couleurs, mais aussi couvrir cette cérémonie hautement symbolique qui oriente les étudiants vers le milieu professionnel. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Démarrer la cérémonie de signature des contrats des différentes listes de groupes d'étudiants sélectionnés.
Le premier groupe est Campus Food, représenté par Aram Sarr. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Aram Sarr. Aujourd'hui d'exprimer tout le plaisir que j'ai de pouvoir vous adresser mes remerciements. Mes remerciements s'adressent aux autorités que j'ai citées dans cette université, en plus les étudiants. Parce que le Mayanuka a été un projet démarré en 2013. Et ce projet-là a été porté par toute la communauté universitaire. Et vous savez mieux que moi, un seul vice-rectorat ou bien quelques personnes ne peuvent pas réussir tout seul un aussi ambitieux programme qu'on appelle le Marathon Entreprendre Université Communauté. Ce Marathon Entreprendre Université Communauté, comme l'a dit tout à l'heure Michel le recteur, s'inscrit dans le cadre de notre formation et aussi notre mission de service à la communauté. Il s'agit d'encadrer les étudiants, de les inciter à l'auto-emploi dans un contexte où il y a peu d'emplois disponibles dans les bureaux, c'est-à-dire dans la fonction publique. Et ce pays connaît un sérieux problème dans son tissu industriel, parce que nous n'avons pas de grands entrepreneurs. Et pour qu'un pays puisse se développer, comme il est stipulé dans les stratégies du PSE, il faudrait de grandes entreprises. Et nous à l'URB, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique de former nos jeunes dans les techniques de création d'entreprises et de les engager d'abord dans le développement du monde rural ou bien de la région de Diourbel, et aussi pour le Sénégal. Pourquoi nous avons ciblé cette partie jeune, étudiant? Parce que tout simplement, c'est cette frange qui compose l'énergie de la nation. Et si on parvient, à travers ce Mayanuka, à doter les étudiants de techniques de création d'entreprise, et que ceci soit un béaba pour eux, ils auront le temps de grandir, de construire leur entreprise et de faire grandir leur entreprise comme les entreprises américaines ou européennes qui sont aujourd'hui éparpillées dans le monde. Et c'est ce souhait-là que nous avons pour vous, parce que vous savez que Facebook a été développé par des étudiants et aujourd'hui Facebook fait partie
des entreprises les plus développées du monde. Et également, on peut prendre l'exemple de Google. Et ce sont des humains comme vous qui l'avez fait. Donc, je vous exhorte à suivre ces pas. Et demain, nous produire dans ce Sénégal d'aussi grandes entreprises pour le développement de notre pays et pour venir en aide les populations qui sont dans des conditions difficiles. Et si on a cette création de richesses et ce développement de ces entreprises, chacun pourrait trouver sa sécurité, pourrait développer ou circuler dans ce pays sans pour autant connaître l'insécurité. Et on abordera aussi les autres sécurités que sont la sécurité alimentaire, etc., etc. Je vous remercie du fond du cœur. C'est pour la valorisation de la culture du maïs dans la région de Zouvet, particulièrement dans le département de Bambé. Donc, parce que nous avons constaté ici à Bambé, donc les principales cultures qui se développent, donc c'est notamment la culture arachidière, le maïs, etc. Les cultures par essence vivrière, donc on ne développe pas trop d'autres cultures comme le maïs, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris l'initiative donc, de faire notre projet sur la culture du maïs. Pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'au Sénégal, il n'y a pas assez d'emplois créés. Donc, et l'auto-emploi, c'est aujourd'hui une tribune offerte aux étudiants pour se valoriser, pour entrer dans le milieu professionnel. Donc, pour nous, c'est un concept très intéressant et l'université gagnerait beaucoup, et toutes les autres universités également gagneraient beaucoup à développer le concept de l'auto-emploi. Notre projet d'Arsabor s'appelle Sénumer, la lettre de Bauer. L'idée nous est venue pour la revalorisation du monde rural et de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie et aussi des ressources pastorales. Parce qu'on a constaté que dans la région du Bauer, les éleveurs versaient le lait au sol tout simplement par absence de moyens adéquats et performants. Et donc nous nous sommes indignés envers cela et nous avons décidé de prendre ce lait comme matière première, de le transformer afin de vendre ça aux Sénégalais pour promouvoir l'accès à l'autosuffisance alimentaire, ce qui est très important et qui est obligé à la perspective du gouvernement pour promouvoir le plan Sénégal émergent, entre autres, pour promouvoir l'agroalimentaire au Sénégal. Moi, je suis venue juste pour étudier. Après, quand on m'a parlé du Maïnuc, c'était quelque chose qui coulait de source. Par exemple, quand on parle du développement de ton pays, tu ne peux pas ne pas y participer. C'était juste, fallait juste le faire. Question patriotique. Pas tout de suite. Pour l'instant, la priorité c'est les études, mais si plus tard les moyens et le temps nous permettent, parce que quand on s'engage à quelque chose, faut le faire à 100%, à 200%. Et quand j'aurai le temps, quand nous aurons le temps et les moyens adéquats, mon groupe et moi, nous allons peut-être créer cette entreprise.